Salut les beaux gosses. Alors aujourd'hui je vais aller manger chez une copine. J'ai absolument rien du tout à ramener. C'est honteux, honteux, honteux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillée à 9h30. J'avais une réunion avec le travail que j'avais oubliée. Donc bon, ça demande bien. Et après avoir fait la... Oh ben non, j'arrivais pas à me connecter en plus sur Zoom. Je voulais mourir. Bref, après on a trouvé une solution, donc c'est bon. Mais ensuite, j'étais chez la MIF, qui sont au-dessus de chez moi. Donc j'ai traîné avec eux, patati patata. Et quand je suis rentrée, en fait, j'étais extrêmement fatiguée. Genre ces derniers jours, je suis exténuée. Genre exténuée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sieste. Sauf qu'au lieu de dormir 1 heure, j'ai dormi 2 heures. 2 heures et demie. 2 heures? 2 heures, 2 heures, 2 heures. Ce qui est excessivement trop, je ne suis pas un nourrisson en fait pour dormir normalement 2 heures. Mais voilà, quand je jeûne, je suis très fatiguée. Là, je me maquille. Maquille, on s'entend. C'est chez moi, c'est blush, mascara, parce que je ne sais rien faire d'autre de toute façon. Parfois, j'y pense, je me dis, Salma, tu dois apprendre à faire au moins un trait d'eyeliner, tu vois. Genre, peut-être pas pour le mettre tous les jours, mais Salma, t'as cette compétence. Parce que, voilà. Moi, je sais mettre du mascara et je pense que si j'arrive à mettre du mascara correctement, c'est parce que Dieu m'a donné des longs cils et que du coup, voilà. Quand j'ai commencé à mettre du mascara il y a quelques années, enfin, j'ai commencé à me maquiller hyper tard dans ma vie, contrairement au genre de. Généralement, les filles qui étaient autour de moi, mes copines, elles se maquillaient genre à 16 ans, à 17 ans. J'ai commencé à me maquiller à 20 ans. Donc, j'avais déjà passé le train de pas savoir se maquiller, donc c'était un peu honteux. Je mettais du mascara genre là sur le bout des cils. C'était mignon, quoi. On était là. Bref, je continue à m'a préparé. On va aller ensemble. On va aller ensemble manger. Ici, j'influence mes trois acolytes à traverser dans le rouge. On va par là? Mais on ne va pas par là? Mais on traverse là? J'ai raison. Regardez comment elle se fout de ma gueule. Alors que j'ai raison. Je sais où on va, mais en fait, juste je me trompe aujourd'hui. C'est pas ma faute. Pourquoi je suis jamais venue par ici? Je suis jamais venue par ici, les gars. Regardez, c'est joli. Attendez, je vous montre. Alors, on a des sculptations ici présentement. J'ai dit des sculptations. Des sculptations. Je vous dis bonjour, elle se fout de ma gueule. Moi. En fait, je tiens juste à dire qu'en fait, elle se fout de ma gueule parce qu'elle, c'est pas des stars.
Ah, je sais pas si vous vous rendez compte. À Montréal, ils ont des bus jaunes. Il y en a un derrière moi. Il y en a pas que un, Samia. Il y en a pas que deux, il y en a trois. Oh my god. Parce qu'en fait, c'est les bus comme dans les séries Netflix. Ça se fait pas, franchement. Vous avez pas vu? Vas-y, tu fais comme la meuf là à Paris là. Je viens de rentrer chez moi. Le truc que j'ai fait en tout premier, c'est aller mettre une lessive parce que ça fait un petit moment, quelques jours quand même, que je me dis que je dois mettre une lessive et je le fais pas parce que voilà, je ne fais pas. J'ai réalisé un rêve. Je me suis fait un bubble tea. Et en fait, ce que j'ai fait, ouh là là, ça va tomber. Les filles, je suis tombée. Les filles, je suis tombée. Ce que j'ai fait, désolée, ma maman elle est descendue avec, c'est que en fait dans mes bulles de tapioca, j'ai mis une cuillère de lait de coco. Ça se trouve, ça va être dégueulasse, mais je vous dis, t'inquiète. J'ai mis un peu de lait de coco parce que j'aime bien coco avec. Après, j'ai mis café, lait d'avoine. J'ai pas mis de caramel. J'ai mis un petit peu de protéines. Donc je pense que c'est ça, les petites taches blanches. Pourquoi les protéines? Bah, vous savez, moi je mange pas assez en fait. Je mange malheureusement pas assez, bizarrement. J'ai l'impression que je mange assez, mais je mange absolument pas assez. En plus maintenant c'est le ramadan, donc je ne mange pas du tout assez. Et si vous me dites, Selma, comment tu fais pour avoir des cups? Bah, je les récupère. Écoutez, je vous ai déjà dit, le recyclage. En plus ça c'est des trucs qui sont réutilisables, donc réutilisez-les. Hein? C'est très délicieuse. C'est très délicieuse. Ma banne, yati comme ça, wallah. Vraiment, haja le top. Comme je m'ennuyais chez moi, je suis partie faire une promenade chez Dollarama. Et on va gaspiller de l'argent, quoi. Je pense que c'est tout. En fait, parce que j'ai besoin d'un bol pour faire des gâteaux. Et j'en ai pas. Enfin, genre en mode le bol dans lequel je fais des gâteaux et du pain. Il est vraiment pas assez grand. Je sens un bol pour manger, c'est pas pour faire du pain. Voilà, let's go my babies. Ah, j'ai acheté ça comme pour comme quand on était gosse parce que c'est trop cool en fait. Voilà, je sais pas combien ça coûte par contre, ça se trouve ça coûte 20 dollars. Impossible. C'est le magasin. En fait, je suis en train d'acheter les trucs là pour la cuisine, mais j'y pense. Ah, parce qu'il y a tellement de choses. Ah, il y a des coussins et tout. Ils sont jolis en plus. Beige, parce que mon appart, les murs, ils sont beige. Je vais pas le prendre, parce que voilà, ça ira. Mais ça irait très bien. En fait, ce qui me fume le plus dans ce magasin, c'est qu'ils trouvent une utilité à tout. Genre en mode, je vais vous montrer. Là, on est genre en été, donc je vois, vous regardez les rayons en été. Le rayon, il ressemble à ça. Et dites-vous, ça fait genre un mois et demi que c'est là. Genre dès la Saint-Valentin, et bien ils ont mis tout dans les rayons pour l'été. Jamais ça te prépare psychologiquement. Il y a des enroules comme ça. Oups, il y a des enroules comme ça. Genre tu mets juste sur ta poêle, bim. Je sais que ça existe aussi en Europe, mais ça va. Je n'ai jamais utilisé moi. En fait, je me suis trompée. C'est ceux-là que je suis venue chercher. Fromage, caramel, don't judge me. Ils sont trop bons, ils sont addictifs même.
On va essayer. C'était il y a 15 ans que c'était à la mode de les... ça, mais je sais pas pourquoi j'ai des vues, je me suis dit que c'est... On dirait que la pêche. It's enough for me. Oula. Franchement, ça fait je sais pas combien de temps que je cherche une casquette. Mais j'ai l'impression que j'ai une trop grosse tête en fait, donc ça marche pas. Donc voilà quoi. Ça craint.